world today to find someone or some people that actually do have what we might call a consistent, really, you know, coherent unit that you can call a band, and people working on their music together for an extended, you know, period of time is a rare thing. And I think that's what Naysom Jalal has in her situation. So she is not only a wonderful instrumentalist, you know, with these virtuosic qualities on her instrument, but also in listening to her music, I also discovered that she's a wonderful composer too. I really feel that she's found a group of people, a quintet that is a band, and that's really beautiful. Paradoxal, c'est que d'un côté on peut voyager, il y a une espèce de mondialisation où les marchandises elles vont, elles viennent, les hommes ils vont, ils viennent, et paradoxalement les gens se replient dans leur identité. Et pour moi, ouvrir ça, ouvrir la musique et que la musique soit un reflet du voyage et un reflet du métissage et un reflet de tout ça, c'est super important. Pour moi, c'était important d'avoir des musiciens qui incarnent ce métissage aussi. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas tous du même endroit, qu'on n'ait pas tous le même parcours. Et c'est pour ça que j'ai demandé à des musiciens d'un peu partout de venir. Le saxophoniste Mehdi Chaïb, il est d'origine marocaine. Le batteur Francesco Pastacaldi, il est italien. Le contrebassiste, il est hongrois, Mathias Sandai. Le guitariste qui joue aussi du violoncelle, il s'appelle Karsten Schappel, il est allemand. Et donc pour moi, c'est important que les musiciens qui incarnent cette musique, ils soient à l'image de cette musique. C'est moi qui compose tout le répertoire à la base. Mais après, il y a tout un travail d'arrangement qu'on fait ensemble. Je viens pas avec une musique qui s'impose. L'idée, c'est aussi de créer ensemble. Je pense que c'était une soirée d'une grande intensité. J'ai trouvé une musique très, je dirais entre guillemets, parce que les références, ça vaut ce que ça vaut, mais très coltrénienne, sur justement cette intensité, ce fait que ça monte, et puis avec une orchestration, un violoncelle là-dedans, des instruments qui sont pas toujours de mise, et une vraie originalité, c'est-à-dire que c'était d'un côté clairement du jazz, mais d'un autre côté il y avait des volutes d'arabesque, on va dire. Personnellement, j'ai un amour particulier de la flûte. Ça date de beaucoup de grands flûtistes, Roland Kirk, Eric Dolphy, et je trouve qu'elle en fait vraiment quelque chose d'assez unique. C'était une soirée qui a en tout cas marqué tous les gens qui étaient présents. Il y a beaucoup beaucoup de voix. Par moments c'est un peu frile, avec la douceur de la flûte, c'est vraiment très singulier.